Les continentaux sont aussi pas l'eau. C'est toi, Rurik. Il paraît que tu étais à bord d'un navire attaqué par les noyeurs. En effet. Avec Ulf, mon cousin, on relevait les casiers au large des hauts de Kirag. Ulf s'échine sur une ligne, peine à la remonter. Chic, je me dis, le casier doit être plein. Bonne pioche. Et là, ça tire dans l'autre sens. Et plouf, en un clin d'œil, Ulf se retrouve sous l'eau. Je l'appelle, une, deux, trois fois, et v'là que l'eau devient rouge sang, et qu'une puanteur atroce remonte, comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muires d'Ieblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Freya a dû veiller sur moi. Ça, ou les monstres étaient rassasiés. Merci pour le récit. Faudrait pas mieux qu'il achète un troupeau, qu'il se retire dans la montagne? C'est vous, Dove. On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari. On vous a pas menti. D'abord, la mère me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Gwil, notre fils, il est jamais revenu de la pêche. Mon homme, il allait chaque matin sur les hauts de Kirag pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il le ramènerait pas à la vie, qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau, et zou. Un soir, les parents rentraient à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche et on est parti à sa recherche. Les murs d'Ieblen, les bêtes marines, elles l'avaient si salement amoché que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. Vraiment pas le choix. Qu'y a-t-il ? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider ? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent ? Une surprise. Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité ? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou, soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. D'accord, je veux bien vous aider. Je passe souvent à Novigrad. Je viendrai vous rendre une petite visite, à l'occasion. Merci.
Je m'appelle Johan Bonneuil. Vous me trouverez dans le quartier du pauvre. À plus tard. En avant. Cette puanteur. Aucun doute, des noyeurs. Leur tanière n'est plus très loin.
J'adore cette odeur. Vase et viande pourrie. Ce n'est certainement pas un noyeur. Ikimo sur le coup, la hague s'écrasée, étranglée. Presque intact. Gardé en réserve. Les noyeurs ne font pas ça. Débris de bateau, voiles déchirées, filets. Un décor de pêche, pour ainsi dire. La puanteur. Les marques sur les cadavres. C'est certainement le repère d'une guenaude aquatique. Avec son flair, elle ne reviendra pas si elle renifle ma présence. À moins que... comme elle cohabite avec des noyeurs, un extrait de leur glande permettrait de masquer mon odeur.
Ça devrait marcher. Maintenant, il faut trouver une planque. Derrière ces bateaux. Thank you.
Mission accomplie. Voici la preuve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une bête? Mais c'est quoi cette horreur? Une guenaude aquatique, vieille et rusée. C'était elle, la menace. J'ai vu mon lot de saleté dans ma chaîne de vie. Murène, Lamproie, l'autre. Mais rien d'aussi affreux. Tiens, une prime bien méritée, sorceleur. Ça oui. Je mérite plus. Une guenaude aquatique, c'est autrement plus dangereux qu'une poignée de noyeurs. Je dis pas le contraire, mais ma bourse n'est pas sans fond. La mer non plus. Ce ne sont pas les sales bestioles qui manquent au fond. Tu pourrais bientôt avoir besoin de mes services, et je ne risque pas ma peau pour des pingres. C'est limite du chantage, hein? Très bien. Voilà tout ce que j'ai. Étouffe-toi avec! Ma porte te sera toujours. Un homme a besoin de soucis autant qu'un bateau de l'Est pour filer droit. Y a pas de mauvais dracaire. Moins vite.